Voyage dans le temps avec Rudy qui nous rejoint. Salut Rudy, comment ça va? Nos traditions. Là, tu t'entends pas mal encore. Ah bah oui, maintenant je m'entends. Parle à tes esprits. T'inquiète pas, les esprits aujourd'hui je les ai laissés à la maison. Alors Aïssa, oui. Aujourd'hui nous allons parler du matriarcat en Afrique noire, tout simplement. Hein? Alors, il faut savoir que le socle de la civilisation négro-africaine repose ou reposait, parce que la dernière fois, il y a un ami qui a partagé une vidéo sur Cineweb, et la personne me disait pourquoi j'utilisais toujours l'imparfait. Et bien, en fait, je voulais en profiter pour lui dire que parfois, j'utilise l'imparfait, parce qu'il y a certaines pratiques qu'on fait, plus tout simplement. Voilà, ou bien, c'est pas tout le monde qui le fait. Voilà, donc, je disais que le matriarcat reposait... la civilisation négro-africaine reposait ou repose encore sur le matriarcat. Et selon les recherches de Cheikh Anta Diop, dans ses ouvrages « Nations nègres et cultures », l'unité culturelle de l'Afrique noire, l'origine du système matriarcat est venue avec la sédentarité et la pratique de l'agriculture, dont les femmes étaient les premières à accueillir ces produits pour nourrir leurs enfants, puisque le rôle des hommes était d'aller faire la chasse ou bien la guerre pour protéger tout simplement le clan ou la famille. D'accord ? Alors, le matriarcat se trouvait uniquement en Afrique apparemment, et si on le retrouve dans le monde, c'est disons des Africains qui ont migré et c'est eux qui l'ont amené sur place. D'accord. Alors, nous allons parler des caractéristiques du matriarcat. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Rien. Alors, je veux souligner qu'il ne faut pas se baser sur la place de la femme actuelle hein, dans nos sociétés. On le sait. D'où l'exercice du pouvoir, c'est tout simplement une affaire de virilité, puisque le matriarcat n'est plus pratiqué partout en Afrique. Donc, dans la pratique exogamique, je vais y arriver, d'antan, c'est-à-dire le mariage entre deux membres différents des communautés, hein, la filiation ainsi que la succession étaient matrilinéaires. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui doit concerner la succession, c'est du côté de la femme, du côté de la mère, ouais. Toujours. Donc, et c'est ce qui permettait une croissance démographique. Hein, et faisait partie aussi de ceux qui favorisaient le système de propriétaires collectifs, d'où on parle de communauté en Afrique, on parle de partage. Alors, dans le système matriarcat, c'est le neveu qui hérite l'oncle maternel. Hein, okay. Parce qu'on dit qu'en fait, on est sûr que le neveu fait partie de la lignée maternelle, tout simplement. Donc, nous avons aussi ici l'exemple des couples pharaoniques en Égypte, puisque le matriarcat est né en Égypte. Quand on parle du couple de Isis et Osiris, ils étaient frères et sœurs. Il y a beaucoup de pharaons, en fait, il y a beaucoup de couples de pharaons et qu'ils étaient frères et sœurs. En fait, c'était de l'inceste tout simplement parce que c'était pour garder le sang. Voilà, le sang royal. Donc, concernant le matriarcat ou le matrilinéaire, en fait, ce sont elles qui détenaient le pouvoir institutionnel. Elles avaient aussi le pouvoir sur tout ce qui était religion traditionnelle. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'on voit en Afrique parfois des femmes qui sont prêtresses ou bien qui font de l'initiation. Ouais. D'accord? Alors, nous avons aussi la dot. Ça fait partie des caractéristiques. Parce que parfois, on croit que la dot, c'est juste de l'argent qu'on donne pour acheter la fille. Alors qu'en fait, à la base, la dot, c'est une sorte de compensation à la famille de la fille parce qu'elle était utile à cette société. Oui, parce qu'elle l'aidait, par exemple, aux travaux des champs, etc. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Et il ne faut pas oublier que aussi dans le système du matriarcat, les hommes ne sont pas du tout exclus. Ils sont bien présents. En fait, ce que je voulais expliquer là-dessus, parce qu'on va parler de couple, de mariage ou d'union, et il faut savoir que dans le paradigme africain, on parlait toujours de complémentarité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de supériorité. Alors, la femme... Elle est moralement supérieure à l'homme, c'est ce qu'ils expliquent, alors que l'homme est supérieurement énergétique à la femme, c'est-à-dire, en fait, il a de la virulence, tout simplement. Alors, ils doivent se marier, s'unir, se compléter, ou engendrer, afin de perpétuer l'humanité, tout simplement, puisque la femme donne la vie, elle ordonne, et l'homme doit protéger sa vie, cette vie, tout simplement.
D'accord? Alors, le matriarcat dans les différents royaumes africains, jusqu'à présent, ça existe, même si c'est moins significatif qu'à l'époque. Avec l'arrivée des religions notamment, qui Voilà. placent les hommes en première ligne, en gros. C'est exactement ça. Donc, je voulais dire, en fait, en commençant depuis la première reine d'Égypte antique, Ouais. du nom de Hatshepsut, jusqu'à la dégradation du matriarcat au XIe siècle, précisément, en Afrique noire, il était pratiqué. D'accord? Alors, nous avons aussi l'exemple de la reine de Saba qui a gouverné avec sagesse l'Éthiopie. Nous avons Ouais. aussi Candace Ier qui était la reine d'Aksum. En fait, c'est le même pays qu'elle a dirigé. Et l'anecdote que j'ai sur cette reine, Candace Ier, alors, il faut savoir qu'elle fut la première, je crois, et la dernière femme noire qui a reculé l'armée de Jules César Ouais. quand il est venu l'attaquer. Alors, nous avons aussi l'exemple chez les Ashanti du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ils pratiquaient le matriarcat jusqu'à présent. Et ici, la réglementation exige que le roi soit succédé par le fils de sa sœur utérine. D'accord? Alors, ici, parfois aussi, il y a des systèmes matriarcats où la reine-mère doit diriger avec le fils parce qu'elle est première conseillère. Ça, on l'a chez les Swazis. Le Ouais. royaume de Swaziland en Afrique du Sud. Nous avons aussi chez les Bantous de l'Afrique centrale. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, déterminent la filiation à travers la lignée matrilinéaire. Nous avons l'exemple des Kouba du sud de la RDC. La matriarche nommée le roi, elle pouvait aussi le détrôner. Et elle avait aussi. Et c'est elle, en fait, qui. Et ce dernier, en fait, le roi, était toujours succédé par son neveu. D'accord? Ouais, d'accord. Voilà. Et nous avons ici l'exemple aussi de certains Séraires du Sénégal. Ils pratiquent aussi le matriarcat. Si nous prenons parfois, par exemple, aussi l'Afrique de l'Est, le cas de l'Afrique de l'Est, pardon, chez le royaume du Bouganda, le roi succède à son père ou à son frère, mais il règne toujours avec sa mère et il était protégé aussi du côté de la famille maternelle. Chez les Wolofs du Sénégal aussi, c'est pareil. Hein. Nous avons la Linguère qui veut dire reine, qui veut dire Ouais. aussi princesse ou duchesse, apparemment. Et là-bas aussi, c'était la femme qui nommait le braque. Le braque, ça veut dire, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire roi, parce qu'on dit bourg en Wolof. Et que aussi, le roi pouvait être soit le mari de la reine-mère, ou bien le fils, ou bien son frère, tout simplement. Ouais. Et nous avons l'exemple de la dernière souveraine du Wallo, qui est Ndata Yalamboti, hein, et qui a dirigé le Wallo. Et l'anecdote aussi, c'est que, tu sais, j'adore les femmes noires, c'est des combattantes. Et cette femme, c'est la seule femme qui a osé dire au gouverneur du Sénégal, Federbe, de lui donner, en fait, comment on appelle ça, de l'impôt quand Federbe passe sur son territoire avec parfois des arachides, du mil, plein de choses qu'ils ont pris à l'intérieur du Sénégal pour l'armée en France. Le jour où Federbe a refusé, elle a prévenu plusieurs fois, elle a brûlé tout simplement la marchandise et ça a quand même amené une guerre. Je te raconterai la suite si ça t'intéresse, Aïssa. Alors, nous avons aussi le matriarcat au Cameroun, chez les Bamoun, les Ouais. Bamileke. L'exemple aussi que je vais donner, il y a la princesse Yenega, qui est la reine-mère, en fait, c'est celle qui a engendré tout simplement l'empire Mossi au Au Burkina Faso. Burkina Faso, voilà. Ouais. Donc, Aïssa, en fait, le sujet, il est très large. Donc, je vais conclure le sujet en disant que dans le paradigme kémite africain, la femme est mate, c'est-à-dire elle est l'équilibre, elle est l'harmonie, elle est la mère, elle est le pouvoir, c'est le socle de la société. Il faut nous respecter les hommes. Hein? Alors, malgré le développement de l'aliénation, le matriarcat continue à exister de nos jours dans certaines populations africaines et des populations d'Africains excentrés, tout simplement. On peut citer le cas du Brésil et beaucoup. Il y a énormément d'exemples. Voilà, c'était Tu mon coup de parlais de cœur. Candace Première là, tout à l'heure, ben justement il y a un ouvrage qui lui est consacré, De qui est comment paru c'est il y a quelques voir? mois par Siwa Kamanda, Commandant, oui. et c'est un livre, c'était vraiment sympa, donc on vous recommande. C'est un livre théâtral que j'ai. Il est excellent. J'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup Rebecca, Merci, Aïssa. et à très bientôt. Dans un instant, on retrouve Gabriel Varga pour la synthèse.